Bonjour, bonjour à tous, c'est le Viking, on se retrouve aujourd'hui sur Planet Zoo pour la suite de l'aventure sur ce jeu incroyable, aventure extrêmement longue, qui dure depuis quelle année 2019 2019 Planet Zoo? Ça date, hein. Ça date, hein, très clairement. Pas de cam, hein, pas de cam, il fait trop chaud, 175 degrés à peu près, non merci. On a le ventilo, on est torse nu, ça fait plaisir. Précédente vidéo live, du coup on est en live Twitch bien sûr, hein. Bonjour Twitch évidemment. Nous avions construit ce petit enclos, ma foi fort sympathique. Alors ces messages d'erreur, ils commencent à nous gonfler, je vous le dis très sincèrement. Enclos très sympathique avec les petites poupoules et les petits cochons. Les petites poupoules et les petits cochons. Où sont les cochons? Les cochons sont là. Incroyable. Incroyable, le petit enclos. Très sympa. Oh là, on marche dans la boue, il n'y a pas de problème. Je suis en tong. C'est fait pour ça. Derrière, on va... Waouh, on va mettre un système, une mise en place, nettoyage des pieds. 154 euros. Allez. Objectif, récupérer de l'argent. Un habitat et des cultures abîmées. Du côté Afrique, on s'en fiche, on s'en est pas occupé. Les poules se font écraser. Ouais, ça va. Yo, moi du futur. Salut Ray Twitch, du coup, du futur. On rappelle qu'on avait fait un système qui fait que les poupoules, ici, allez, hop, qui c'est? Cariade. Bon, c'est pas quelqu'un parmi vous. Ah, non, c'est pas ce que je voulais faire. Les poupoules peuvent grimper sur la toiture. Et ça, c'est stylé. Et ça, c'est très stylé. Est-ce que les cochons peuvent? Je ne pense pas. Oh, ils peuvent grimpoter un peu quand même. Mais bon, l'objectif, c'est pas non plus qu'ils escaladent. Faut pas abuser. Les chèvres, on voit bien. Les cochons, pas trop. Donc ça, ça fait plaisir. J'ai réfléchi. Très vite fait. Parce que j'ai pas vraiment eu le temps de réfléchir. Mais ici, j'avais fait une allée en herbe, là. Je pense que je vais la changer. Je vais regarder. J'ai envie de faire une route pavée. Allée rustique, pourquoi pas. Je vais voir ce qu'on a. Allée d'ardoise. Chemin pavé. Ardoise. Plus ça. Hein. Ça, c'est pas mal, ça. Je pense que c'est pas mal, le chemin pavé. Allée en pierre. Non, ça fait trop... ça fait trop moderne. Allée en pavé, comme ça. Oh, pas mal. Alors, il y a soit ça, ou, celles-là font plus, plus naturel, quoi. Ça fait vraiment un chemin rustique, un petit chemin pavé de l'époque, quoi. Moi, j'aime bien. Rustique. Non, ça, c'est trop propre. Volcanique, c'est beau. Bah, volcanique, c'est beau, mais j'ai peur que ça soit un peu trop... Ouais, c'est un peu trop, quoi. Non, je pense que je vais mettre la pavée de base. On va essayer, de toute façon, on pourra changer. Comme ça, ça permet d'avoir une vue correcte de l'allée. Voilà. Tac, tac, tac. Il y a déjà des déchets parce que les gens sont dégueulasses. Je pense que c'est mieux comme ça. Non? Moi, j'aime bien. Avec les barrières, ça fait plus naturel. Des barrières? Bah, là, je suis plus dans le côté... on veut que ce soit... attendez, c'est... Tac, tac, tac. Allez, avec rambarde. Je suis plus dans le côté, je veux que ce soit ouvert, quoi. Je préfère cette idée-là.
Ouais, je préfère ça. Alors, par contre, il y a un truc qu'il faut faire, c'est vérifier les espèces qu'on peut mettre dans... Parce que je me souviens plus. Hein. Je me souviens plus. Hein. Il y avait quoi qu'on pouvait mettre dans la zone... Dans la zone ferme. Alors, cheval, etc. Bon, ça, c'est OK, mais on verra plus tard. Avec le chameau long. Chien de prairie, non. Chèvre. Chèvre, vache, mouton. Ok. L'âne. L'âne et le mouton. L'âne sauvage de Somalie. Ah, c'est Somalie, ouais, donc ça va être désert. J'étais en train de me dire, peut-être que l'âne sauvage, je vais le mettre avec les chevaux. Mais ça va peut-être être compliqué. Hein. Tac, 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 cheval. C'est loin. Ah non, désert. Désert, prairie. Ah, on pourrait peut-être les faire aller ensemble. Ah, c'est pas si mal, ça. Les vaches de William Wallace, c'est vrai. On est parti pour combien de temps de live? Bon, jusqu'à 23h, hein, je pense. Là, on est parti. Je pense qu'on est parti. Hein. Alors, ce que je vais faire, c'est tech. Liberté! C'est beau. Ah, c'est beau. Workshop. C'est un peu grand. Quoi, ou tu le fais aussi au tout début du parc, c'est mieux les barrières. Non mais les barrières, je suis pas... Ah mais il y a là aussi, attends. Là on pourrait. Là on pourrait, ça délimite l'accès à une zone particulière. Ça on peut ça, pourquoi pas. Ça je suis ok. Ouais, on est ok. Bon, du coup, on part sur quoi? Cheval, il y avait quoi d'autre? Je les ai pas notés. Oh, le français est premier. Bien joué, ça. Okay, avec l'équitation, pardon, excusez-moi. Guépard, la grue. Ah, c'est vrai qu'il y avait le... Il y avait pas le cygne? Le cygne. Est-ce qu'on mettrait le cygne dans la zone aussi? Ça peut être sympa en vrai. Hein. Il vit avec qui le cygne? Oh le sanglier. Oh, c'est vrai que c'est stylé aussi le sanglier. Oh, vivement la zone Europe. Hein. Vivement la zone Europe. Hein. Clairement. Glouton, gnou. Tac, tac, tac. Yéna, kiwi. Je suivais la série Panazo à l'ancienne. Bah écoute, Macintosh, c'est la même. On continue enfin l'aventure. Puisqu'on a un PC qui nous permet d'y rejouer. Donc trop bien. On est content. Trop bien, on est content. Alors le porc s'est mis. Potamochère, ok. La poule s'est mis. Raton, renard, reine. Qu'est-ce qu'on a comme... En fait, il reste pas grand-chose, hein. Il me reste quoi, 2 enclos? Wallaby. Parce que la vache, elle va avec les chèvres. Est-ce qu'on met la vache avec les chèvres? On peut faire ça. On fait un enclos vache-chèvre. Un enclos mouton-âne. Et un enclos cheval. Et on aura fait le tour. Vache chèvre. Mouton âne. Vache chèvre et mouton âne. Vache chèvre.
Ah, mais le problème, c'est que la chèvre, à mon avis, l'espace de construction, il n'est pas forcément 390 mètres carrés. Là où la vache a besoin de 455, un peu plus, quoi. La chèvre des Alpes, elle s'entend bien avec les vaches de William Wallace. Taïga, climat tempéré, prairie. Climat tempéré. T'as aimé la prestation de Aya et la cérémonie? En vrai, la cérémonie, il y a eu des phases, c'était spectaculaire, quoi. Il y a eu un moment où je me suis dit, au début, je me disais, waouh, c'est un film. Il y a tout le temps un truc qui se passe. Après, ça a quand même vachement traîné en longueur. Ça a été très, très, très lent. Il y a eu des phases, on s'est un peu ennuyé, quoi. Enfin, personnellement, je me suis un peu ennuyé, quoi. Ça a manqué un peu de rythme, je trouve, la cérémonie. Et taquin. Oh, vache, il est costaud lui. Et du coup, on va faire vache chèvre, je pense, en premier. Le seul truc, c'est qu'il y a ça. J'ai mis quoi là-dedans? Cabane de soigneur. Centre d'échange. Et mécanicien. On n'a pas de salle de repos. Et c'est une dion géniale. Ouais, en vrai, la fin impressionnante. Après, j'ai trouvé un peu dommage le fait qu'il y ait 40 000 gars qui portent la flamme. Même si c'était sympa. Mais j'avoue, j'aurais préféré une personne. Et j'avoue, j'aurais préféré juste Marie-José Perric. Voilà. Moi, j'avais misé dessus. Je m'étais dit Marie-Jo, trop bien. Je veux que ce soit elle. Bon, elle l'a porté, mais avec Teddy. Mais Teddy, il est encore en cours. En course. Ça aurait été bien qu'il porte dans les Alpes, tu vois, puisqu'on a gagné dans les Alpes, les JO 2030. Si t'es à la retraite à ce moment-là, tu me portes à ce moment-là. Laisse la place à Marie-José Perric. Moi, ça m'aurait plu. Mais bon, après... Il y avait Zizou, quoi. Je réfléchis à comment associer ça au club. Le truc passe ici. Parce qu'en fait, il faudrait que j'arrive à cacher quand même un minimum ça. De toute façon, on va mettre des arbres, hein. Alors attendez, je vais m'étaler. Tac, je vais enlever la rambarde. La route... Attendez, j'ai un doute avec le fait que la voie ferrée elle passe au-dessus là. Mais normalement, oui. Hein. Snoop Dogg, ouais, non, bah, ça c'était un peu... Mais tu vois, même tout le passage où il y avait... c'était qui dans le bateau, là, toutes les stars américaines, là? Enfin... Moi, j'aurais préféré qu'ils fassent le bateau avec toutes les stars françaises, tu vois. J'aurais préféré. Et ouais, ça passe pas. Ça passe pas en voie ferrée, en fait. Ah, ça, c'est chiant, ça. Ah, ça, c'est chiant, ça. Ah, ça, c'est chiant, ça. Faut que je le fasse passer derrière. Et du coup, il va pas du tout passer dans la ferme, le petit train. Tu fais quoi comme espèce animale actuellement dans le zoo? Voilà, beaucoup trop. Hein. Beaucoup trop pour toutes les te les dire. N'hésite pas à aller regarder ma série, évidemment, si t'as 200 ans devant toi. Va falloir que je décale tout. Oh, ça m'arrange pas. Je peux tout prendre là. Il va falloir que je décale et que je fasse passer le train derrière. Tu fais un pont. Bah, c'est trop petit pour que ce soit intéressant de faire un pont. Ouais, il faut que le train passe au-dessus. Mais c'est dommage parce que c'est pas pertinent, tu vois. Tu vas pas faire un train qui va passer juste là comme ça. Puis ça va gêner le reste des enclos. Non, je vais décaler, je vais faire passer derrière, tant pis. Je sais pas pourquoi j'étais persuadé qu'on pouvait...
qu'on pouvait faire une voie ferrée, quoi. Enfin, un passage à niveau. Je peux enlever cette vue, là. Bon, du coup, je vais faire ça. Du coup, je vais le mettre là, comme ça. Au niveau du sol. Et un petit bout de route à enlever ici. Et la voie ferrée, elle passera là. Tant pis. Hein ? Oh, ça m'enlève l'herbe. Application auto. La voie ferrée passera ici. Ce sera très bien comme ça. Et du coup là, on a le bâtiment des employés. Pourquoi c'est en hauteur ? Ah non, c'est passerelle avec rambarde. Ok. Angle à 90. Comment ? Bon, il y a une marche, c'est pas très gênant, c'est à l'intérieur du bâtiment, on voit rien. Ok. Ok. Ça fera l'affaire. Dommage que tu puisses pas faire un passage à niveau. Ouais, ça aurait été sympa en vrai. Tu fais passer le train en dessous du chemin. Oh, la misère. Le problème, c'est que le jeu est pas bien fait pour faire des tunnels. À une époque, ton dino que tu préférais, c'était le Baryonyx. Bah, il est stylé, le Baryonyx. Hein. Ok. Donc là, on rentre. Poupoule, cochon. Ensuite, on avance par ici. Je vais, je pense, faire un autre enclos directement de ce côté-là. Je pense. Directement. Allez, on va faire ça. Alors ça va être la galère parce que je pense qu'on va refaire un enclos enfermé avec les cailloux. Hein. Mais bon. Je vais d'abord mettre en béton. Et on est parti. Donc là on a les toilettes. Là il y a un truc pour manger. Aligné sur l'angle, non. On va diminuer la longueur. Encore, encore. Un peu moins. 8. On va mettre comme ça. On peut pas mettre 8,5. Non. Et 9, c'est un peu grand. Ce qu'on va faire, c'est démarrer par là. Voilà. Ça, c'est pas mal. De toute façon, on peut mettre droit. La barrière sera invisible. Hein. Tac. Vingt, ça passera pas. Je vais mettre 12 et 12. 11 et 11.
Comme ça. Que va-t-il se passer quand on aura fini le zoo? Bah, on verra d'ici une petite quinzaine d'années, je pense. Alors, tac, sachant que c'est pour des vaches, qu'ici j'ai envie de faire l'enclos cheval. Alors du coup, je voulais faire passer le train dans l'enclos des chevaux, mais ce sera pas vraiment possible. Faudrait le faire passer d'une autre manière. Bah après, il passera là en haut. Ouais, ok, c'est bon. C'est bon, j'ai trouvé. Ce qu'on fera pour les chevaux. Et ce train-là, il va partir pour venir desservir une nouvelle gare ici, à la limite. Comme ça, on fait la voie ferrée par là. Ça va vraiment être le grand train qui fait tout le tour. Ah, mais c'est chiant parce que du coup, l'idée que j'avais ici, c'est le plus bon. Bon, on verra. On verra. Partons du principe que ça fera le tour. Faut qu'on vérifie si les animaux ils peuvent passer dans l'enclos. Enfin, les humains peuvent passer dans l'enclos. Pim, pim, pim. 18. J'avais 7 ans à cette époque. Quand t'as commencé par les zoos? Ah non, 10 ans que tu me suis. Ouais. Bah merci beaucoup, en vrai. Ça nous rajeunit pas. Comme ça. Tac. Oh non, mais pourquoi tu allais te mettre de par là? Oh non, ça c'est chiant ça. Oh non! Voilà, bah très bien. Ok, on va aller. De toute façon, ce sera invisible, donc on s'en fiche. Je vais mettre la petite porte employée. Entrée habitat en bois. Je vais mettre ici. Oh tiens, regarde, parfait. Non, j'aime pas. Comme ça, très bien. Et on va vérifier, est-ce que les animaux... Enfin, les gens peuvent rentrer dans l'enclos des vaches. Mmh. Vache. Interaction avec les visiteurs possible. Confiant. Ok. Et chèvre. Confiant, interaction avec les visiteurs possible. Parfait. On peut donc faire rentrer les gens dans l'enclos vache-mouton. Après, c'est... 2 à 30. 3 à 20. Ça fait beaucoup. Merci beaucoup, dresseur. Bienvenue à toi. Qui c'est qui a vu une nouvelle école? Je connais pas. Je ne connais pas. Bon, du coup, les gens peuvent rentrer à l'intérieur, donc ça, c'est positif. On va leur faire une petite entrée. Bah, en fait, on va mettre l'entrée... L'entrée, hein. Attendez, je vais faire plus simple. Je vais prendre ça. Ah. Alors, attendez. C'est dans quoi? C'est dans plan? Dans préfabriqué. Dans préfabriqué. Tac, tac, tac. Je vais peut-être mettre le filtre. Pack de contenu. Ferme. En fait, non. En fait, non. C'est vrai qu'il faut d'abord mettre la porte.
Petite entrée visiteur. C'est petite entrée, il y a grande entrée. Ah, on est trop proche. Ah, il y a eu du bleu là, pendant un instant. Il faut qu'on décale. On va décaler. Clôture. Entrée. Obligé d'être aussi loin. Ah ouais. C'est mal fichu aussi ça quand même. Hein. Ou alors je la fais plus ici quoi. Peut-être plus la faire ici. Pourquoi tu me donnes ça? Je te demande la porte. Ok, avec une sortie par ici. Très bien. Clôture. Si tu veux, de toute façon, ça deviendra invisible. Ok, ça passe. Waouh, la galère. Du coup, c'est vache, chèvre et âne, mouton. Ouais, c'est ça. Vache, chèvre, âne, mouton. Et après, on fait cheval. Là, on a fait notre premier enclos. 4620 m². On va amener les animaux. On va voir ce que ça donne. Combien ils avaient dit, du coup? Ça, c'est les vaches. Un mâle, 19 femelles. Un mâle, 19 femelles. Un 29. Un 19, un 29. Donc on va faire un... un 10 et un 15. Alors vache. Un mâle. Adopté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va peut-être être petit. Hein. C'est possible que ce soit un peu petit. Hein. Fait mon aller. C'est possible que ce soit un tout petit peu petit. C'est tout à fait possible et si c'est le cas, bah on verra.
Ok, play. Bon. De toutes tes tournois Jurassic World Evolution, t'as préféré lequel? Oh, voilà, de tête, je pourrais pas te dire, en vrai. C'est quoi, ça? Ah, c'est une ombre. C'est une ombre, ça. Alors, amène-moi, mes premières livraisons ont été abandonnées car la destination est inaccessible. Oh, c'est chiant, ça. C'est pas inaccessible, vous mentez. Aucune allée. Mais bien sûr qu'il y a une allée. T'es là, tu viens là, tac, tac, tu viens là, hop, hop, hein. C'est l'affaire réglée, hein. Oh là là. Tellement mal fichu. On est obligé de tous les faire un pain. C'est pas fluide là. Ça amène là ou ça amène pas? Ah ça y est, on a nos premières vaches qui arrivent. Car les dinos étaient pas surcheatés après le 3, car plein d'espèces et aussi car Scorpius Rex et les deux, j'aime pas trop parce qu'ils étaient trop cheatés, nous tous. Surtout les herbivores, ouais. C'est frustrant parce que tu vois que ça marche en vrai. Juste que le jeu est bugué. Bon, on fait voir déjà la taille des vaches. Marco! Marco! Oh, salut! Attends, mais il va jouer dans Grease? Il s'est fait la petite coiffe? I got chill! Lemme all the pie! Il est stylé! Marco! C'est des petites vaches en fait, je m'attendais à un peu plus gros. Megan? Attends, mais c'est quoi la différence entre les deux? Elles ont des cornes les vaches femelles? Ah c'est un oh, gros C qui est premier? Ah non, c'était pas... Bon direct. Pardon. Le petit troupeau qui arrive. Tout doucement, en espérant que... Pas d'électricité pour l'attraction. Bison, saleté de l'habitat. Et là, il y a plein de problèmes, mais bon. Hein. Ils sont tous là, là? Il y a eu une fuite, mais c'est pas notre problème à nous. 7. J'avais pas dit 1, 10. Du coup, il est censé y en avoir 11. Où sont les autres? Bon, au final, ça va, c'est pas trop petit. J'avais peur que ce soit un peu petit. Au final, tu vois, ça fait une bonne prairie, quoi. Une bonne petite prairie même. Tiens d'ailleurs j'ai oublié de changer un truc. Poule. Poulet porc. Vache. Et chèvre. Bon, ça n'a pas enregistré. Ça enregistré là? Vache et chèvre. Ok, le reste arrive. Bon, c'est déjà une bonne chose. Fais les recherches, tout est fait déjà.
Bah normalement tout est fait. Où est-ce qu'on fait les recherches déjà? Je sais même plus où est-ce qu'on fait les recherches, Zo. Recherche et tout. On a déjà tout. On a déjà tout sûrement parce que on a activé le truc maintenant. On est sur Jurassic World le jeu parce que j'ai tous les espèces. J'ai tout fou, je m'ennuie un peu sur Jurassic World. Pour le jeu, en fait, maintenant c'est toi qui m'as fait lancer Jurassic World et dans tous les autres jeux. Et voilà, c'est un peu une nostalgie pour moi de savoir que c'est toi qui m'as fait beaucoup de découvrir. Bah écoute, c'est un plaisir. Hein. C'est un plaisir. Après, c'est sûr que quand t'as toutes les espèces au niveau max. Oh! Ah, gagné! Hippon en quart de finale! Bien joué, ça! Très bien. Alors, ensuite, échange d'animaux. On va aller chercher. Les chèvres. Chèvres. Chèvres des Alpes. Alors, est-ce que les petites chèvres ont. Ah, pardon, ça n'écrit pas. Je vais mettre l'accent. Chèvres alpines. Et du coup, on avait dit 1,15. 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va peut-être faire beaucoup, 15. On va mettre 10. Ça va faire beaucoup. On n'est pas sur un... Non, ça va faire beaucoup. On va se contenter de ça, c'est bien. Tout sélectionné. Ouais, mais c'était déjà le... c'est la rediffusion en fait. Pardon. C'est vrai que le quart avait déjà eu lieu au judo. Envoyé dans le zoo. Est-ce que ça bug? Et là, ça ne bug pas. Ouais, petite poule! Salut Godzilla, comment vas-tu? Inspectrice arrive dans 20 mois. Je perds jamais, je t'ai déjà affronté pour le tournoi Triceratops Gen 2. Je pense pas en vrai, hein. Je crois que c'est des bots. Hein. Je pense pas qu'on se joue les uns contre les autres. Ah oh bah c'est la petite chèvre! Valentine! Alors? Ah oh, petit... Ah mais un galope. Attends, elle se barre? Elle a vu un point de fuite ou... Ah bah non. Ok. Bon. Par contre, ils sont déjà parfaits là, je me demande pourquoi. Habitat à 100%. Ah, parce que le terrain, en fait, il est parfait, quoi. Il manque... Enfin, il y a un... pas assez d'herbes courtes. Mais bon, ça, c'est pas un problème. Et ici, par contre... Attends, mais comment ça se fait que l'habitat, il est... Attends, mais dans les paramètres, j'ai fait quoi, moi? Bac à sable. Paramètres animaux. Activer la défécation, les besoins de température, les besoins de terrain. Bah pourtant j'ai. Hein. C'est considéré comme à 100% alors que ça ne l'est pas. Comment ça peut être à 100% alors qu'on a 21% en terrain? Même l'abri, ils ont mis 100% alors que là ils me disent... Ah bah si, abri c'est bon. C'est bizarre. Elle est belle la noire à la vache. Celle-là? Sky? Oh, elle est un peu plus petite, tiens. Peut-être le malin. Mmh.
Attendez, ça me perturbe là. Comment ça se fait que les paramètres ils sont parfaits? Ah bah le bien-être. Ah bah ouais, c'est ça. Attends, mais du coup, ils sont bons en bien-être? Ils sont pas bons du tout en bien-être. Attends, mais pourquoi je peux pas mettre pause? Bon, ça c'est bon, par contre, en qualité d'alimentation, nutrition, soigneur requis. Bah écoute, faut pas hésiter à y aller, hein. Zo. Personnel. Un. Deux. Agent d'entretien. Un. Deux. Égalo. Un. Deux. Et vétérinaire. Un. Deux. Une fois tu es sorti, donc le live, tu as fait le live et j'espérais t'affronter et donc j'ai lancé un même show et comme par hasard je fais exactement les mêmes espèces. C'est pour ça que j'ai trouvé ça bizarre. C'était le hasard, ça s'est considéré vraiment affronté, je sais pas. Ah, je sais pas, je pourrais pas te dire. Enfin, moi, c'est moi qui suppose qu'on joue pas contre des vrais gens. Parce que des fois le niveau est beaucoup trop faible pour que ce soit des vrais gens. Et c'est même trop souvent le cas d'ailleurs. Bon, normalement, ils vont donner à manger là. Ah, il y a des alertes, effectivement. Il y en a, ils ont pas de zone de travail. Ouais, ouais, je sais, mais c'est pas grave, quand ils ont pas de zone de travail, ils vont dans tout le zoo. Bon, c'est en train d'arriver, au final, l'enclos est pas trop petit, je suis content. Alors, allez. On va mettre, allez, naturel. Faut que je réfléchisse comment. Bon, en vrai, de toute façon, puisqu'ils ont la liberté d'aller où ils veulent, je vais simplement rejoindre. Après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Tac, 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 et tac. Ça, c'est très bien. Du coup, qualité du dernier repas, habitat, ouais, voilà, ça, c'est normal, ça. Voilà, là on est d'accord. Ok. Alors, comment se passe un enclos de vache et un enclos de chèvre? Est-ce qu'ils ont besoin d'abris? Bah, ouais. Les abris, je suis prêt à en mettre, parce que c'est le coin ferme. D'habitude, je suis pas fan. Je vais remettre, je pense, ce même bâtiment. Parce qu'il est bien sympa. Il est bien sympa. Moi, je l'aime bien. C'est simple, mais efficace. Les vaches, mais une étape, ouais. Workshop. Il y en a tellement. Il y en a tellement pour retrouver le bâtiment, ça va pas être évident. C'est quoi ça? Alors attendez, hein, je cherche. Là. Porcherie. Ouais, c'est vrai que c'est porcherie. Ou alors on voit s'il y a une étable. On peut regarder s'il y a une étable sur le workshop. Ah ouais, attendez, on va faire ça. On n'avait pas regardé déjà? Workshop. Je vous affiche. Je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Natural Shelter. Tiens, j'ai la télé qui c'est. Modern Rustic Modulaire Gift Shop. Alors, étable.
Elle est pas si mal. Elle est pas si mal. Comment on dit étable en anglais? Je vais la prendre, on va regarder. Elle est sympa. Ancienne étable. Là, elle est un peu trop claire. Même si l'intérieur est stylé pour le coup. Stable, il me semble. Stable. Ça a l'air d'être ça, merci beaucoup. Oh, des barrières d'étape, c'est sympa en vrai ça. Dommage que j'en ai pas besoin. Ça fait un peu grand. Tout fait un peu grand. Je pense que celle qu'on a, elle est pas si mal. Si elle est pas trop grande, elle est pas mal. Je pense qu'on va se contenter de ça. Les gens, ils font des trucs de dingue. Ouais, c'est impressionnant. Il y a des gens qui ont beaucoup de talent. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'ai le talent minimum. Alors, on part sur le jeu. Tac. Attendez, j'ai un écran noir. Ok. Ça, et vous? Ah, c'est noir. C'est bon, c'est plus noir. Alors, fais voir un petit peu plan. Du coup, c'était étable. Workshop. Attends, mais oh, peut-être médiéval. Porcherie étable médiévale. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Je la vois bien par ici. Elle est pas mal. J'ai envie d'éternuer. En rouge, elles sont belles. Ouais, je suis d'accord, mais c'est trop américain pour moi et ça va pas avec le thème qu'on a mis. Même si l'entrée est en rouge, hein, mais tu vois, les bâtiments, ils sont marrons, quoi. Marron ou en pierre, enfin en bois ou en pierre, ils sont pas rouges, quoi. Je pense que j'ai à mettre par ici, ça peut rendre pas mal. Comme ça. C'est un vrai plan. Non, il y a quelques petits trucs qui ont été oubliés, mais bon, c'est pas grave. Normalement, on l'a bien posé. Ça rend bien, j'aime bien. Alors, on est parti sur la galère. On va faire la clôture. Pour fermer officiellement le truc. Je vais juste vérifier à quelle hauteur ils fuient les bestiaux. 1m25, bon ça c'est bien. 1m25, ok, parfait. Alors. Alors non. Construction. En plan. Où est le plan? Où est le plan? Où est le plan? Où est le plan? Alors, on est parti. On ferme.
Je vais d'abord mettre la porte. Ça, c'est un peu dommage. J'avais pas envisagé... On n'avait pas envisagé ça. Ouais, ok, on mettra de la déco, hein, de toute façon. Tu connais Nessendil de nom, ouais. Enfin, de nom, ouais, on a pas mal discuté en plus. Après, je la connais pas personnellement, c'est ça que je veux dire. Je sais qu'elle avait arrêté YouTube. Il me semble qu'elle est en train de revenir avec un contenu un peu différent. Ok. Ouais, YouTube, mets en accéléré si tu veux, car c'est long de mettre tout ça. Pour YouTube, mets en accéléré si tu peux, car c'est long de mettre tout ça. Après, vous pouvez accélérer aussi. Hein. Moi, je mets pas de, je fais pas de montage. Après, ça fait partie du jeu. Hein. Tu sais, si vous voulez qu'un truc soit joli, il faut le travailler, quoi. Non mais accélérez, hein, n'hésitez pas à accélérer. Moi je j'aurais pas le temps de faire de montage là avant les vacances. Donc en plus j'ai bien remarqué que de toute façon il y a beaucoup de gens, hein, qui regardent le contenu en accéléré. Donc bon. On va pas faire du montage si c'est pour que derrière, hein, vous faites l'accélération vous. Ouais. Je vais mettre comme ça. Hop. C'est pas grave. C'est pas gênant. Comme ça. Bon, sinon, comment se passent vos vacances? Ça se passe bien? Il y a des gens qui sont partis là, qui sont revenus déjà. Moi c'est la semaine prochaine du coup, on l'a hâte. Hein. 2 semaines. Du coup, pas de contenu. Enfin, si, il y aura du contenu, hein, mais pas de live pendant 2 semaines évidemment. Et après, à mon retour avec le boulot, je sais que je vais être en déplacement. Mais pas en formation pour la fin du mois d'août. Donc... plus libre. Qui dit plus libre dit potentiellement la possibilité de faire un live pendant la semaine, voir ce que ça donne au niveau de la... Je vais inverser un peu. Au niveau de la fin, du contenu, quoi. Est-ce qu'on se fait des lives à l'hôtel, etc. On verra. Là, sur les 2 précédentes semaines, vu que j'étais en formation, c'est un peu compliqué. Après, je retourne en formation début septembre, normalement. Comme ça. Comme ça.
Tu pars où sans être indiscret? Je vais voir la famille, quoi. Je vais voir la famille pendant une semaine et après, petite semaine en amoureux. Tac. Tac. Je la verse un coup, je suis pas sûr que ça ait un impact énorme dans le style, mais... Oh bah regarde ça. On va croire que c'était calculé. Par contre ici il va y avoir point de fuite. Il faudra mettre un truc pour empêcher le point de fuite. On s'arrangera. Peut-être un tronc d'arbre ou un truc comme ça, on verra. Ça va faire long de pas avoir de live. Ouais, 2 semaines, c'est comme ça tous les ans. Hein. Tous les étés, 2 semaines. Ça se passe bien, parfait ça. Ça fait déjà 1h04 que tu l'as eu, ta vidéo plus vue sur ta chaîne Primal Carnage. Ouais, Primal Carnage, ouais. Yes, yes, yes. Qui l'eût cru que ça serait Primal Carnage. Primal Carnage, j'ai voulu vous en enregistrer le week-end dernier. Et les serveurs étaient vides. Donc je comprends pas parce que c'est un jeu où ils continuent de mettre des mises à jour, ils mettent des DLC et tout. Et pourtant, à chaque fois que moi je veux jouer, enfin, les serveurs sont vides, quoi. Enfin, ils sont pas vides, mais il y a genre 10 personnes, quoi. Mais bon, 10 personnes sur une partie, bon, on s'ennuie vite, quoi. Je suis resté chez moi. Oh bah, t'as bien raison, hein. Je suis parti une semaine en Bulgarie. Ah ouais? Trop bien, la Bulgarie. T'es allé où? Attends, capitale de la Bulgarie? Je suis sur Budapest, mais c'est pas Budapest. Du coup, Bulgarie. Ah, mais le but, il me perturbe. Je suis parti au Japon avec ma mère. Oh, trop bien, incroyable. Combien de temps au Japon? Et salut, Superman, comment vas-tu? Il est mort, le jeu long. Primal Carnage... En fait, c'est étonnant, bah, c'est ce que je dis. Ils font des mises à jour régulières et tout. Il y a souvent des nouveaux skins d'espèces et tout. Je vois souvent des trucs passer sur Steam, quoi. Mais c'est vrai que... Bah, je l'ai jamais connu avec une quantité de joueurs astronomique. Et c'est presque dommage, parce que tu vois que c'est les développeurs, ils sont dessus, quoi. Ils le développent, hein. Ils ne l'ont pas abandonné. T'as rencontré quand Madame Vinking, quand tu avais créé ta chaîne ou avant? Non, j'avais déjà ma chaîne. Tac. Tac. C'est épisode 5, il dure 36 minutes. Ouais, ouais, ouais. C'est Sofia la capitale, ouais, c'est ça, bien vu. Bien vu, ouais. Effectivement. Je reprends les cours le 29 août. Ah ouais, au mois d'août? Oh la misère. Oh la misère au mois d'août en vrai. Ça avance, on a le bâtiment là, on arrive sur l'arrière. On va bientôt fini. Ça va faire joli, faut pas croire. C'est long, oui, mais c'est beau. Voilà. Atterri à Sofia, tout à l'ouest, puis parti jusqu'à Bourgas, troisième plus grande ville de Bulgarie, qui est tout à l'est. Et c'est beau la Bulgarie ou pas? Moi, la Bulgarie, ce qui me fait peur, c'est la nourriture. J'avoue que... J'ai le bide un peu fragile parfois. Et j'avoue que la Bulgarie, j'ai l'impression que je finirais aux toilettes, quoi. Comme globalement beaucoup de pays à l'est de l'Europe, d'ailleurs. J'ai cette image que mon bide n'en sortira pas indemne, quoi. Tout mal pour que personne... N'y joue, moi je joue de temps en temps, c'est très rare.
Oh, tiens, il y a une barrière. Hein. Pas très gênant en vrai. Hein. On va peut-être même en faire quelque chose, faudra voir. C'est sec et montagneux, ils mettent du yaourt ou du fromage blanc avec, avec tout. Ah bon? Sec et montagneux. Bon, je vais mettre complètement, j'enlèverai juste ce qui est nécessaire. On a fait le tour. Modifier. On enlève ce qui bloque la porte. Hop, de l'autre côté. Dupliquer. Voilà. Incroyable. Clôture. On prend tout. Tac, 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 tac. Invisible. Waouh. Alors, faut enlever ça. Je connais un pote qui y est allé. Il dit que c'est incroyable. Ah ouais? Il fait tout le temps aux alentours de 30-33. J'ai un ami, il te connaît très bien, il a dit qu'il y a un jour il t'a vu dans la rue. Ah bon? Où ça? Je suis curieux. Je suis curieux de savoir est-ce qu'on m'a vu. Qui m'a repéré? J'ai pas l'impression d'avoir déjà été repéré, moi. Alors peut-être que je vais plutôt partir sur une allée... Une allée comme là. Je préfère. C'est mieux, effectivement. Petit play. Vérifions les points de fuite. Alors, ici, normal. Et là-bas, il n'y en a pas, ce qui est plutôt surprenant. Il n'y en a pas là-bas. Ah, bah, il n'y a pas de point de fuite. Ah, bah, c'est parfait. Incroyable! Trop bien. Mon pote, il te suit depuis Jurassic Park Builder. Ah ouais, ouais, ça date. Il n'ose pas trop te parler, il est un peu timide. Ouais, j'avoue que ça m'arrange qu'on me reconnaisse pas, donc... Il a bien raison. Mais il m'a vu où? Je suis curieux quand même. Alors du coup, au niveau terrain, un peu trop d'herbe long... Enfin, pas assez d'herbe courte. Et toi? Beaucoup trop d'herbes longues et pas assez de roches. Alors, il n'y a pas de souci parce que la roche, j'avais prévu de vous faire une petite colline. Un truc, un machin. Faut juste que je vois comment on pourrait organiser le truc. Terrain. Ok. Je sais pas, je lui demanderai, là il est en vacances donc je vais pas le déranger, je lui laisse profiter des vacances, il nous a demandé de ne pas le déranger, à part pour une urgence. Ouais, là, je comprends, t'inquiète. Mais il habite dans quel coin? Parce que ça peut m'aider. Fais un truc pour les buquettes histoire qu'elle grimpe. Ouais bah du coup c'est ce que je fais. Enfin qu'elle grimpe.
Après, j'aurais pu le faire en caillou. Mais on peut ajouter du caillou, hein. C'est pas gênant. On va déjà s'occuper du terrain. Alors, terrain. Texture. Roche. Densité élevée. On rapetisse un petit peu ici. Après, les vaches, elles veulent pas non plus un truc d'escalade, hein. C'est pas si mal, en vrai, ça. Sont toutes étant en herbe longue. On va faire, c'est qu'on va mettre ici terrain roche, et on va mettre de la paille. Pas encore assez de roche, hein. Pas encore assez de roches. Hein. Habitat. Couchage. Bzz. Grand. Ouais, ok. On va mettre... Réponds pas au IA, je lui ai envoyé 3 IA et il a pas répondu depuis. Ouais, ça marche. Il était parti pour un voyage, je sais plus où, mais il habite vers chez moi, donc voilà. Ah! Après, moi, j'ai beaucoup de gens qui me ressemblent. Hein. J'ai un physique... que beaucoup de gens ont, apparemment. Alors, au niveau de la roche, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Je veux pas faire un truc trop accidenté non plus, parce qu'il y a des vaches, hein. Les vaches, bon, je les vois pas trop dans la falaise. Donc, je voudrais pas trop pousser non plus, quoi. Au niveau des barrières. Parce que là, il faut quoi? Il faut 10%, quoi. Il faut que je double ce que j'ai déjà mis. C'est la misère. C'est la misère. Il faut que je mette un peu de roche lisse sur le chemin, quoi. On est à 6%. Ou alors on peut tenter un petit truc. C'est creuser pour changer. Et si je vais creuser fort? Encore.
Sachant qu'il leur faudra un point d'eau aussi. Hein. C'est évident. Terrain. Ah, ça ne va pas suffire, hein. Je commençais à regarder tes rediffs et ça fait quelques jours que j'ai décidé de venir te rejoindre sur Twitch. Merci beaucoup, Flobibao. Merci bien. Merci beaucoup. Bah écoute, j'espère que t'es pas déçu. Alors encore 1% si c'est 10. C'est trop. Je dois te laisser, Roy, je reviens vers 20-21h. Ça marche, merci beaucoup. La chef volante, ouais. Elles sont chouettes les musiques du jeu, ouais, je suis d'accord, c'est apaisant. C'est apaisant carrément. Comment je pourrais faire en sorte... Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les cailloux. Et sous les décos rocheuses, on mettra de la roche. Il va tempérer. Ok. Ok. Sachant que risque d'escalader. Hein. Ce que j'en mets là, pas forcément, en vrai. Pas forcément. Manque pas grand chose, hein. C'est frustrant. Faut que je mette un point d'eau. Faut que je mette un point d'eau. Ouais, faut que je mette un point d'eau. Est-ce que je mets un point d'eau ici? Ou plutôt là. Ouais, je vais faire une petite rivière, tiens, là. Un truc un peu fermé. Enfin, ce sera un lac, quoi. Oh. Très bien, bah du coup il y a suffisamment de roches. Ah, parfait.
Parfait. Nature. Caillou. Attends, je vais finir d'abord terrain. Donc là, ce qu'il nous faut, c'est une quantité astronomique d'herbe courte. Parce qu'il faut supprimer toute l'herbe longue. Je suis fier d'avoir rejoint ta communauté Twitch, mais merci beaucoup, c'est gentil. On est sympa. Enfin, vous êtes sympa surtout. Mais bon, moi. 2 Oh la vache, mais attends, mais j'ai combien d'herbes longues là? Bon, ça peut représenter encore 47% de l'enclos. J'ai l'impression d'avoir fait tout le tour quasiment. Qu'est-ce que j'ai oublié? Pourquoi je peux pas zoomer là? Pourquoi je peux pas zoomer là? Ah oui, il y a encore tout ça. D'accord, ok. Bon, toi tu t'en fiches. C'est les chefs qui n'aiment pas. Et tout le chemin quoi. Bon, c'est assez, mais je vais essayer d'enlever encore un petit peu pour avoir un peu de marge. Si jamais il y a un moment où il y a un calcul qui se refait. Ok. Donc là, on est bon, parfait. On est parfait pour tout. Et pour eux, on est parfait pour tout. Maintenant, c'est la déco. Alors, on va mettre d'abord les petits cailloux pour décorer un peu le bord de la rivière. Je pense que je vais complètement... Enfin, la rivière. C'est pas vraiment une rivière, hein, évidemment. Je pense que je vais en mettre un peu partout... autour. Comme j'ai fait un peu du côté des poules quoi. En laissant des espaces. Enfin, des espaces, des points de vue. Enfin des... voilà quoi. Je vais casser un peu. Des petites zones où ils peuvent venir chercher un petit peu de... de boisson. Bon, ça c'est ok. Je vais mettre c'est un peu gros.
Ouais. Ça. D'abord les petits cailloux, ensuite les petites orties. Exactement. Ah, les orties. J'espère qu'ils aiment les orties. S'ils n'aiment pas les orties, on vire l'enclos. De toute façon, c'est une obligation. Si tu veux faire partie de mon zoo, il faut aimer les orties. Certains sont passés à la trappe. Enfin, certains sont passés à côté de cette règle. Bravo à eux. Aujourd'hui, c'est terminé, hein. Ça. Oh, la chèvre est toujours en train de voler, ça fait plaisir. Il y en a que j'utilise vraiment quasiment jamais, quoi. Oh, je sais ce que je vais faire. Un truc, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Ok, petite déco, construction. Oh là là, qu'il est beau. Qu'il est beau, qu'il est beau. Alors comment je le mets? Est-ce que je le mets pour qu'il soit entre les deux? Ou qu'il soit à moitié dans l'eau? Est-ce qu'il fait un pont? Ou est-ce qu'il fait pas de pont? Je l'aimais bien là-bas en vrai. Ta dernière vidéo est trop zoomée. Ouais, je sais, je l'ai marqué dans la description de la vidéo. Mes deux dernières vidéos sont trop zoomées. Je sais pas ce qui s'est passé avec l'enregistrement. Je sais pas ce qui s'est passé avec l'enregistrement, pourquoi ça a zoomé comme ça sur les deux vidéos. Coupe pour le replay. C'est vrai, on est à 1h20, effectivement, t'as raison. Replay, enfin non, YouTube, du coup, on s'arrête là. On met les arbres et les petites plantes dans la prochaine vidéo et on aura probablement fini cet enclos vache chèvre. On regardera un petit peu comment les espèces se sentent, on verra si les gens sont... se promène à l'intérieur et après on se lancera sur l'enclos mouton âne. Ça va être sympa et ça fait joli. Hein. Moi j'aime bien. Ça fait joli. Et il faudra qu'on installe aussi le restaurant. Le restaurant, c'est important. Merci YouTube. Bisous à vous. On se retrouve très vite pour la suite de cette aventure sur Planet Zoo incroyable. Bonne journée et à la prochaine. Allez, ciao.